Bonjour, je m'appelle Audrey Spica, je suis chargée de mission. Avec mon binôme, on est en charge du programme de transformation interne de l'agence, le programme Transforma NS, et je suis à l'agence depuis septembre 2021. Si je devais choisir un projet de transformation réussi à l'ANS, je choisirais un exemple récent. J'ai eu en charge le chantier de conduite du changement dans le cadre du déménagement de l'agence vers le site de Paris Santé Campus. Donc un gros projet de transformation, hein, nouveaux locaux, nouveau mode de travail avec le flex office et tout ça en 6 mois. Donc c'était rapide et nous pour mener ça à bien, nous avons un gros travail d'accompagnement des collaborateurs. Ça a été par rendre le projet bien identifiable en interne avec un nom, un logo, une équipe projet. Ensuite partager régulièrement beaucoup d'informations aux collaborateurs. Aussi certains collaborateurs essayaient au maximum de les faire participer à des prises de décision. Et tout ça en 6 mois, donc gros succès quand même, hein, parce que les collaborateurs aujourd'hui sont très satisfaits de leurs nouveaux locaux. Mais on ne se repose pas sur nos lauriers, hein, nous faisons régulièrement des retours d'expérience pour voir ce qui peut être amélioré au quotidien dans nos nouveaux locaux à Paris Santé Campus. Ce qui motive particulièrement à l'ANS, c'est le cadre hors travail en fait. Déjà les gens, beaucoup de bienveillance, un esprit d'équipe. Et puis le cadre à Paris Santé Campus, nos locaux sont top et on bénéficie de plein d'activités, que ce soit des rencontres de l'écosystème ou même au sein de l'ANS, la possibilité de faire des fresques, de participer à des communautés de pratique et même des activités ludiques entre midi et deux. Vraiment, avec la crise sanitaire et la mise en place du télétravail, il est nécessaire de redonner du sens et de la valeur ajoutée à venir sur site. Et clairement, aujourd'hui, c'est le cas. Moi, je viens à Paris Santé Campus, à l'ANS, avec plaisir.